dans le cadre de la philosophie du directeur général de la police, là, qui a pour mission de renforcer la sécurité dans tout le pays. Là. Mais en commençant par le commissariat aéroport. Et au niveau aéroport, nous-mêmes comme responsables au niveau commissariat, nous avons fait des démarches auprès de la direction générale là, pour renforcer la sécurité. Là. Et effectivement, les démarches nous ont abouti, nous avons des ressources humaines pour nous travailler au niveau aéroport. Ressources matérielles, il y a des démarches qui sont en cours au niveau de la direction générale. Là, les au courant, les a penché sur ça, l'enjeu qui a venu, nous avons des ressources matérielles beaucoup plus pour nous travailler au niveau commissariat de l'aéroport. Mais ça m'a dit nous en passant, et brigade à vélo, c'est l'ILA qui sont brigade qui vient comme si qui lié presque avec qui sorti en dedans police communautaire. C'est une raison au niveau aéroport nous pas joindre bien policiers qui la brigade à vélo qui fait va et vient sur tout axe qui dépend de nous-mêmes au niveau commissariat. Et bien yo là pour faire prévention, yo là tout pour accompagner monde qui l'a traversé la rue, qui a rentré en dans l'aéroport là, il est là pour accompagner tout le monde. C'est l'objectif ça, nous créer brigade à vélo. Mais nous gagnons responsable centre de formation, brigade à vélo, qui est avec nous là, et qui est responsable personnel commissariat, qui est inspecteur Jean-Mascari Cadet, qui est à droite moi, qui prépare techniquement brigade à vélo, qui vraiment mission au niveau commissariat aéroport. Nous avons tout sur toute action qui côté passé nous les policiers. Et nous avons des policiers ni en uniforme, nous avons des policiers tout en civil sur toute axe. Nous avons des guérites qui nous fait mettre là. Mission policiers sur la guérite, il y a une rentrée bousillante qui est dans l'entrée à l'aéroport. Et l'autre en a joué dans la face de la barrière principale et à l'aéroport. Qui y aurait les gates 7 là. La police là pour mission, c'est empêcher les motocyclettes de fréquenter axe. Que dernièrement, n'a pas été une interview de bail de concert avec DDO côté qui nous parlé sur question motocyclette là au niveau aéroport nous interdit question motocyclette là pour pas rentrer sous axe ça gien panneau qui dit ça et nous même tout nous parler dans la presse pour nous empêcher motocyclette nous voulons tout le monde comprendre que nous pas faire un bagage pour nous personne monde mais dans cadre sécurité nous très strict sur ça motocyclette là est formellement interdit sous zone aéroport. La police nationale a demandé tout le monde collaboration, compréhension. Et pas grand rien la police a fait là pour le moment, il n'a pas fait rien pour nuire personne. Mais nous voulons tout le monde, population, comprendre ce qu'a fait là. Chaque temps nous venons avec des nouvelles dispositions. Okay? Nous voulons que le monde comprenne, c'est en faveur de nous. Nous, mêmes policiers, nous parlons là pour, en face de la population, nous sommes là pour accompagner la population. Nous avons exhorté le monde tout pour nous. Fait prudence dans tout ça qu'il a fait. Que le passager, que le monde qui a venu chercher le monde à l'aéroport. Comme moi toujours dit, l'aéroport est une zone sensible qui est liée. Et bien nous tiens à ce que le monde qui n'a pas gagné un lien ou a venu faire. En d'aéroport, dans l'aéroport, ou pas employé, ou pas un lien qui s'est venu faire l'aéroport, nous conseillons pas venir là parce que nous-mêmes au niveau commissariat, l'aéroport n'a pas mis en pile. Parce que nous avons possibilité pour nous, quel que soit côté au camp, dans l'aéroport, nous avons possibilité nous-mêmes au niveau commissariat. Pour nous et toute action à faire. D'accord? Au lieu que vous ne venez pas rien là, vous ne venez pas questionner de temps en temps, eh bien, vous trouvez la carrière, vous venez déposer au monde, après ça, vous retournez à la carrière. Parce que nous-mêmes, je ne veux dire, une franche collaboration entre la direction générale de la police là, avec la direction générale de l'aéroport, que nous-mêmes, au niveau commissariat, que vous mettez moyens à la disposition pour permettre nous faire un travail efficace au niveau de l'aéroport. Première création brigade à vélo, c'est nous avons fait historique brigade à vélo. Et il paraît en France en 1900, c'était la première brigade à vélo qui a gagné. Le ça que brigade à vélo a lui-même été créé, c'était pour et pallier le manquement de moyens de transport qui a gagné en France. Mais en 1984, avec flux de véhicules qui gagnaient, moyens de transport qui viennent augmenter dans toute la rue des machines, donc on y a là, brigade à vélo n'a pas vraiment fonctionné en France encore. Mais qu'on parle en France, ou parle au Canada, ou aller aux États-Unis, ou parle de brigade à vélo, ou après que c'est même brigade à vélo que nous gagnons ici, hein, c'est même brigade à vélo. Brigade à vélo, c'est un dérivé de la police communautaire que l'y est. Okay? Donc, moi, c'est une autre mission que l'on a gagné, l'on a fait créer en France, l'on a créé. Mais de nos jours, comme ils ont dérivé de la police communautaire, brigade à vélo, c'est un outil de proximité entre la population et l'institution policière.
pour mes missions, ou du moins que l'activité que la brigade à vélo a gagné au niveau de l'aéroport, dit nous là, nous faisons ça, les contrôles d'identité. Ce qui veut dire, il y a un monde qui est dans le secteur aéroportuel là, que nous sommes capables d'entrer soit dans le parking, ou bien capables d'entrer dans la zone côté passager. Il faut nous compter qui est ce monde là. Est-ce que c'est un monde qui vient chercher? Qui est ce monde qui vient faire dans la zone là? Et le ça, brigade à vélo, lui-même, monsieur brigade à vélo, ils ont intervenu, ils ont interpellé les monde là, dans le sens de, ils ont campé les monde là pour demander lui, ça l'a fait dans la zone là, est-ce que il y a une pièce d'identification sous lui? Si mon a dit oui, c'est un monde qui vient chercher, ils ont seulement assuré qu'il y a une pièce d'identification, ensuite, ils ont quitté l'y aller. Monsieur Brigade Avelo est intervenu dans le cadre de circulation. Il a gagné un bouchon, donc il a même campé Bécagno, il a régulé la circulation, donc il a assuré que le flux circulation en fait que machine circulait normalement. Yo accompagné écolier yo, élève l'école les matins qui besoin de traverser la rue par exemple ou une jeune femme enceinte par exemple, yo accompagné yo aider au traverser la rue et des handicapés tout ça. Et la question jalonnement tout, ou regarder ou prendre différents points ou après que gagné soit deux ou bien trois et policiers à vélo dans toute et zone aéroport là. OK, qui là qui a assuré sécurité et tout ça. Ça veut dire son initiative qui est dérivée non seulement des polices communautaires mais juste pour assurer sécurité touristes ou du moins passagers dans l'intérieur. Brigade à vélo, l'objectif premier lit c'était ça. C'est assurer nous que normalement dans l'air aéroportuel là, le que par exemple les passagers viennent, ils sont ouais présence policiers yo cap monter descendre sous bécane devant l'aéroport là en plus de l'autre policier qui posté dans différents points aéroport là, OK? Donc n'importe étranger qui vient, il sentit que li gagne un climat de sécurité, il sentit que li non atmosphère qui sécure de quoi poli et vaquer dans zone aéroport là et jusqu'à ce que li rentre la caisse. Nouvelle disposition que la police nationale prend conformément à instruction commandant chef là Michel Ange Deyon par rapport à cas que nous enregistré d'attaque de voyageurs qui sorti dans aéroport Toussaint Louverture. Opération ça il est bienvenu en Haïti. Donc son opération qui a couvert une période de 90 jours du 5 avril au 5 juillet 2018. Donc opération ça sont opération conjointe entre les unités spécialisées relevant du directeur central de la police administrative et celle de la direction départementale de l'Ouest. Et disposition ça il est englobé ensemble de dispositifs qui a pris depuis l'aéroport même contrôle qui a fait en aéroport de moun qui toujours a traîné dans l'aéroport et il prend en compte tout question transport, question circulation motocyclette que mes collègues moi responsable aéroport a gain pour dire de Mossou. Zone aéroport son zone côté que motocyclette interdit à dame. Sorti depuis de CPJ pour arriver jusqu'à 3 mai motocyclette pas arriver dans zone ça. Sous en dans Delma 31 pas qu'à arriver traverser soit pour monter Gérald Bataille et pour pas qu'à descendre tout 3 mai. Zone sa motocyclette pas gain droit fréquenter et gain des sanctions qui là qu'a prend contre toute moto qui pas respecter principe ça. Gain des monde qui a venir à l'aéroport pas bien faire un aéroport, il choisi venir. Mais nous même au niveau commissariat, nous là gain des mesures que nous mettre en place des fois ou venir à l'aéroport, c'est flanon qu'on va venir flaner là, nous pas gain lié de loisir au niveau aéroport. Nous informer moun yo sou pa gen rien ou bien faire aéroport nous conseiller plutôt rete la caillou parce que nous pa gen zone de loisir là c'est moun k'ap voyager seulement qui a fréquenté aéroport ou bien va déposer moun nan ou fin déposer moun nan ou la caillou quel que soit si son moto k'ap suivre ou bien si son machine ko suspect k'ap suivre et bien la police là jodi an gen des numéros de téléphone qu'il mette disponible ko capable rele automatiquement ça ou rele ou ap joine sous police sous tout axe yo qui contrôlé par DDO et chaque commune yo gen patrouille sur yo gen point fixe numéro de téléphone nous gen là premier numéro c'est 38 20 11 11 son numéro qui basé dans CDRO qui basé en dedans DDO automatiquement baili ou fait numéro ça ou a joindre gen intervention qu'a fait pour vous dans moment que zone que en difficulté a qu'on y a l'arrivé dans zone Port-au-Prince ou capable reler dans 38 22 11 11 mais si dans zone arrière aéroport ou gon problème quel que soit l'heure gen problème là ou ap rele nan 28 18 18.